Papa, viens, je dois te parler. Oui, je t'écoute. Papa, c'est quel genre de choses que tu me mets dedans? Quoi? Tu trouves ça normal? Samuel, qu'est-ce que tu veux que ton père fasse? Tu sais que ton père n'a pas l'argent, on est obligé de faire comme ça. Oui, mais ça, c'est pas normal. Tu trouves ça normal? C'est pas bien. Tu veux qu'on ment pour dire aux gens que tu es aveugle alors que tu vois très bien. C'est quoi ça? Samuel, je sais que je ne suis pas aveugle, mais comme je n'ai pas le travail pour l'instant, on est obligé. C'est pas parce qu'on est que tu n'as pas de travail que tu dois mentir que tu es aveugle. En plus, tu n'as pas besoin de cette lunette. Il n'y a même pas le soleil, regarde. C'est moche. Samuel, tous les aveugles portent les lunettes noires, s'il vous plaît. Oui, mais toi, tu n'es pas aveugle. On est en train de partir en église comme ça. C'est là où on va gagner l'argent aujourd'hui, s'il vous mais plaît. Mais c'est pas bien. Tu vas faire semblant comme moi aussi j'ai fait semblant. Tu vas dire aux gens que ton père est aveugle. Parce que moi, je dis que je suis aveugle. Je n'ai pas envie tout, qu'on sorte dehors comme ça, tu peux gâcher la journée. Sinon, si on rentre à la maison sans l'argent, on ne peut plus manger rien. On est obligé pour faire comme ça pour aujourd'hui, pour qu'on gagne un peu l'argent. D'accord? Je sais que c'est pas normal, mais je n'ai pas le choix. C'est la seule possibilité que j'ai trouvée, que je peux faire aujourd'hui pour gagner l'argent. Tu appelles ça possibilité, papa? Oui, c'est une possibilité. Parce que tout le monde, ils sont. Quand ils voient quelqu'un qui est aveugle, ils sont là, ils sont pitié. Bon, c'est facile de donner l'argent. Et toi, tu vas m'aider pour dire, et ton père est là aveugle, on a besoin d'un peu d'argent pour manger. Comme c'est ça, on peut manger. Quoi, papa? Je veux qu'on peut manger ce soir avant de dormir, Samuel, s'il vous plaît. On va faire ça. Ton père est aveugle pour aujourd'hui, mais pas pour toute la vie, d'accord? Papa, où on va aller faire ce truc de comportement là? Ça, moi, je t'ai amené dans un bon endroit. Parce que tu vois, on est tout près de l'église. Il y a des gens dedans qui sont en train de prier. Et ils ont l'amour de Dieu. Quand on va se placer devant la porte, comme ils sortent de prière là, quand ils vont voir un aveugle avec son fils, c'est comme ça tout le monde va nous donner l'argent. Donc maintenant, on est pauvres. Oui, on est pauvres parce qu'on n'a rien. C'est pas vrai ça. Quel est mon rôle dans tout ça? Ton rôle, c'est que comme tu m'as arrêté là, et moi j'ai fait semblant, et toi aussi tu dois coopérer avec moi. C'est pour cela qu'on s'est arrêté, pour qu'on soit d'accord. Dès qu'on est là-bas, tu vas dire que je suis aveugle, pitié d'un aveugle. Quand tu dis l'amour de Christ, moi aussi je vais dire, aidez-moi, je suis un aveugle. Et toi, quand quelqu'un sort de l'église, tu dis l'amour de Christ, l'amour de Christ, l'amour de Christ, l'amour de Christ, l'amour de Christ. S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis un aveugle. Et toi, tu dis l'amour du Christ. Moi, je dis s'il vous plaît, aidez-moi. Je suis un aveugle, je n'ai rien à manger. Et toi, tu dis pitié de mon papa. Mon papa est un aveugle. C'est comme ça quand tu dis ça comme ça. Tu vas voir tout le monde, on va gagner beaucoup d'argent. J'ai sentiment même que beaucoup de gens vont nous aider. Même le prêtre, même dans l'église, il peut sortir un peu l'argent. Venez nous donner. Et le bol là, ça sert à quoi? À boire de la soupe? Ah, Samuel, c'est là où on dépose l'argent dedans. Tu montres le plat. C'est pour cela qu'on a amené le plat. Donne-moi ta main. Ta main est où? Donne-moi. Tu sais très bien, t'es pas aveugle, papa. Merde, quelqu'un peut sortir, nous voir et va connaître. Il faut qu'on commence à faire maintenant. Ça, c'est la formation. Comme ça, devant l'église, on ne fait pas des erreurs. Aujourd'hui, c'est dimanche. Il ne faut pas qu'on rate cette opportunité. Il faut qu'on arrive là-bas avant 10h. C'est même pas une opportunité. Ça, c'est n'importe quoi. Avant que l'église finisse, il faut qu'on ait devant. Déjà, devant la porte, s'il vous plaît. On doit aller là-bas. C'est là-bas que je suis sûr. On va gagner beaucoup d'argent. Ouais. D'accord? D'accord. Comme tu veux pas faire la vraie vie. S'il vous plaît, Samuel. Quand on arrive là-bas, ça, c'est pas quelque chose qu'on va discuter. Là où on va arriver devant l'église, là-bas, il faut que tout est déjà fait. Comme ça, tout est déjà arrangé. On ne doit plus faire une erreur devant l'église. Sinon, on va gâter tout. D'accord? Chaque jour, tu es dans les mauvaises choses. De l'arnaque pure. Quelle arnaque? Papa, tu m'apprends de l'arnaque comme ça. Tu penses que tous les aveugles que tu vois comme ça, c'est les vrais aveugles? J'ai dit ça pour qu'on puisse gagner l'argent. Il faut que Dieu me chauffe dans ta main. Viens seulement, on s'assoit. Il ne faut pas trop parler ici, les gens nous regardent déjà. Prends la selle là, Samuel. Approche-toi de moi. Et bientôt les gens vont sortir à la église. Dès que les gens te voient, Samuel, j'espère, prends le bol, tu arrêtes à la main. Tu fais tout ça là, l'argent là, c'est à toi que je vais donner. Tu vas acheter les trucs. Prends le bol à la main, arrêtez ça. Tu es en train de faire ça comme ça.
Je ne veux même pas que quelqu'un connaisse que je ne suis pas avec. Là. Mais papa, ça c'est injuste. Tu fais semblant d'être aveugle pour que les gens nous donnent de l'argent. Ça c'est pas bien, c'est de l'arnaque. Réfléchis un peu, c'est pas bien ça. Ferme ta bouche. L'argent là, c'est pour toi que je vais acheter les choses. Je cherche l'argent là. Tu crois que si c'est moi, ça, je vais venir s'asseoir ici en bas des fois? Hein? Tu peux aller. L'argent là qu'on est venu ici chercher, c'est à qui? Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi que je vais acheter quelque chose. Il faut être sérieux, Samuel. On va faire ça juste pour aujourd'hui et c'est fini. Demain lundi, on m'a invité. Je vais aller travailler. Assieds-toi bien. Hein? Quel enfant comme ça? Tu sais très bien que tu vois et tu dis que tu es aveugle. Il faut supporter mon fils. Pour être un homme, c'est comment pas facile. Comment ça, on peut supporter? Moi, j'ai froid. Je suis même pas un grand encore et tu m'amènes dans le froid. Moi, je suis pas dedans. Je sais que tu n'es pas dedans. Prends le bol. Elle est têtue. On ne joue pas comme ça. Écoute ce que je te dis. Je déteste ça quand je te parle quelque chose, tu fais le contraire. Prends le bol et tu arrêtes à la main. Bientôt, les gens vont sortir à la église. Dès que les gens sortent, tu vois, tu commences à dire l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Sois pitié de mon papa. Mon papa est un aveugle. Et moi, je vais dire oui, s'il vous plaît, aidez-nous. Moi, je suis un aveugle. Ça va? C'est comme ça que tu dois faire. Hein? Donc maintenant, on est des sans-abri? On n'est pas des sans-abri, Samuel. Tu marches avec un aveugle. Hein? Ton père est aveugle. Personne ne nous connaît pas ici. T'es pas vraiment aveugle. Oui, mais ne fais pas. Les gens ne nous connaissent pas ici. Les gens vont nous voir, ils vont connaître que je suis un aveugle. Si toi, tu joues ton rôle bien, tu dois... Ça, c'est du n'importe quoi. Oh, l'enfant, s'il va faire, on va rater la journée. T'es pas vraiment aveugle, tu sais très bien. Il y a une dame qui vient, il y a une dame. Il faut dire l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Sois pitié de mon père aveugle. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Et toi, tu dis... Toi, tu dois dire... L'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Fais bien. C'est le travail, ça c'est le travail pour gagner l'argent. Si tu restes quand personne ne va nous donner l'argent. Tu comprends? Moi j'ai froid, tu vois pas que j'ai froid, papa? Oui, mais tu dois jouer bien, Samuel. Hein? Tu dois dire l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Voilà, la dame, il est en train d'approcher. Moi, les assiettes. Oh. Pour l'amour de Dieu, pour l'amour de Dieu, donnez-nous à manger. Donnez-nous de l'argent, s'il vous plaît. Voilà, t'es content? Mais tu dois dire bien. Aidez-nous à manger. Vas-y, fais. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, aidez-nous à manger. L'amour de Dieu. Tu abuses. Parle, tu es calme. Aidez-nous quelque chose à manger. L'amour de Dieu. Ah, je me suis trompé. La grande porte est de l'autre côté. L'amour de Dieu, aidez-nous quelque chose à manger. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, aidez-nous quelque chose à manger. Mon papa est aveugle. Bonjour, vous n'avez pas froid? Madame, on est froid, mais on est venu à l'église pour chercher quoi à manger. Ah, s'il vous plaît, moi vous et mon plaît, fils, donnez-nous à manger. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Oui, mais l'église, elle est fermée. C'est fermé? Je t'avais dit. Mais aujourd'hui, c'est dimanche, madame. C'est dans l'autre côté, en fait. Vous vous êtes trompé de porte. Dans l'autre côté, madame, je suis un aveugle. C'est ma première fois d'arriver ici. S'il vous plaît, mon père est aveugle. C'est mon fils qui m'a guidé pour venir ici. Donnez-moi à manger, s'il vous plaît, mon père est aveugle. Merci, madame, merci, madame. Merci beaucoup, madame, merci. Merci, madame, Dieu te bénit. Faut aller à la maison, il fait froid. Il fait trop froid aujourd'hui. Oui, oui, madame, on n'a pas le choix. Si on reste à la maison, on ne peut rien manger. C'est pour cela qu'on est venu. On est venu comme ça pour prier. Ok. Quand on a trouvé la porte fermée, on dit qu'on s'assoit ici d'abord. Peut-être quand le premier groupe on finit, nous on va entrer à deuxième groupe pour prier. Bon, en attendant d'abord, il faut qu'on même chercher quelque chose un peu pour manger. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, cherchez-nous, aidez-nous quelque chose à manger. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, aidez-nous quelque chose à manger. Samuel, la dame, il a mis combien dans la caisse? Attends, tu es aveugle. Tu peux pas compter ici devant les gens. Tu ne vois pas clair. On dirait Maître Gims. On peut pas compter ici. Tu avais dit qu'on peut pas montrer aux gens que tu n'es pas aveugle. Eh ben, on va compter à la maison. C'est pas vrai. Tu racontes quoi comme ça? Tu dois me dire combien la dame a donné. Tu dois me dire combien la dame a mis dans la caisse. Comme ça, on peut évoluer. Je ne t'ai pas amené pour qu'on va discuter. Et puis toi, tu me dis, je suis un aveugle. Tu ne veux pas me dire combien la dame a donné. Combien elle a donné? Faut pas commencer, hein. Je ne vois même pas. C'est moi qui t'ai amené pour qu'on cherche l'argent. Ne mets pas ça dans ta poche, tu dois me dire avant de mettre dans ta poche.
Ah, ça, c'est la notice de mon jouet. Je crois que je l'ai perdu. Combien la dame a donné, Samuel? Elle a même pas donné beaucoup d'argent. Mais elle a donné combien? Tu dois me dire. On va évoluer comment? Si on est, on travaille pas main en main. Maintenant, on a eu l'argent. Je ne sais pas combien la dame a donné. C'est ma fière. Parce que la dame était là. Moi, je fais mes messieurs. Oui, mais c'est petit, tu vois. Mais il a donné combien? Je dois connaître le somme. Mais regarde toi-même, regarde. C'est 27 euros, c'est tout. Moi et toi. C'est juste 20 euros. 25 euros. Non, 3 euros. 26 euros. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour l'amour de Christ, on est devant l'église comme ça. Tu me dis exactement somme. On ne peut plus commencer un truc comme ça. Tu me dis 20 euros, 25 euros, 3 euros. On vient de commencer. Premier client, premier client qui vient nous donner l'argent. Quel premier client? L'église est fermée, tu vois. Même la dame t'avait dit ça. Je ne sais pas qui, mais j'ai bien écouté sa voix. J'avais fermé mes yeux, je ne voyais pas. Mais t'as des yeux, tu vois pas? J'avais fermé mes lèvres, j'avais fermé ça. Pour qu'il sache que je suis un vrai, vrai aveu. C'est pas comme ça qu'on doit faire les choses. Hein? Tu dois me dire exactement son psy, sinon on va rentrer à la maison. Je ne peux plus continuer comme ça. Faut pas faire que les gens vont connaître que tu n'es pas aveugle. Tu sais que tu m'en traiterais mal. Je sais, mais tu dois me dire exactement somme. Si tu me dis le somme, on ne peut plus discuter. On n'a pas le droit de discuter. Parce que l'argent là, c'est à moi et toi. Tu commences comme ça, on va rentrer à la maison. Moi, je ne peux plus continuer. C'est on va rentrer. Qu'on rentre sans l'argent. Ah, on va rentrer à la maison. Oui, parce que tu commences à m'ennuyer avec ton truc d'argent là. Ouais, c'est l'argent que tu vas partir bouffer demain. Hein. C'est ça que je vais acheter le truc demain pour aller à l'école. Et Samuel, moi, je n'aime pas la façon que tu fais les choses. Papa, mais c'est quoi ça? Tu m'amènes ici, tu viens ici pour faire un truc et après tu me fais les problèmes. C'est quoi ça? Je ne te fais pas le problème, mon fils. Moi, je m'en fais. Tu es trop... Samuel, tu dois apporter l'argent. Tu n'es plus aveugle. Samuel, je suis aveugle. Samuel, amène l'argent là. C'est moi qui ai amené aider. C'est moi qui Arrête t'ai amené ici. Arrête de te ridiculiser. Tu as dit que tu es aveugle. Tout le monde te regarde. C'est quoi ça? Laisse-moi tranquille. Les gens vont croire que tu es en train de faire une arnaque. Et c'est vrai. Amène l'argent là ici. Tu ne dois plus faire ça. Hein? Il faut apporter l'argent là ici. Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée? Moi, je vais m'en aller. C'est moi. C'est moi qui t'ai amené ici. Tu as aimé? Alors abonne-toi ici, comme ça tu vas pas rater plein de mes vidéos. Moi j'aime bien quand vous regardez toutes mes vidéos, ça me rend content. Donc abonne-toi ici, tu vois le bouton là? Il est en bas.